Envoie le temps, Caporal Kaplich. Un détachement de chasseurs parachutistes a atterri sur le Weiss Gletscher et monte vers l'Engel Pass. Le ravitaillement est en route et sera ici d'un instant à l'autre. Les munitions seront immédiatement déchargées et transportées par les chiens à l'Engel Pass. Le caporal Balrout va immédiatement à l'Engel Pass avec son détachement renforcer la position. Sergent Matisse. Présent, mon premier lieutenant. Pouvez-vous, comme guide de montagne, contourner l'Engel Pass avec un groupe FM en gravissant la paroi sud-est? Oui, mon premier lieutenant. Radio. Présent, premier lieutenant. Communication à l'Engel Pass. L'Engel Pass, comme poste de barrage, doit être tenu à tout prix. Les nids sont adroitement creusés dans la neige et la glace. Excellente utilisation du terrain. Position. Les renforts sont en route. La colonne de ravitaillement pour le poste de commandement est assurée par des détachements de sécurité qui patrouillent dans le terrain à gauche et à droite de la route de montée. S'il n'y a rien de louche, la patrouille de pointe, le détachement de sécurité, donnera les signaux convenus. Chaque porteur a une charge de 30 à 50 kg. Arrivé au poste de commandement, les munitions seront chargées sur les chiens. Les chiens partent, portant chacun 10 à 20 kilos, par le chemin le plus court et sans être accompagnés, vers l'Engel Pass. Aucun coup de feu ne saurait les écarter de leur route. Le détachement FM du sergent Matisse a atteint le pied de la paroi sud-est. Montez directement à l'Engel Pass et annoncez. Le détachement atteindra le secteur prévu à environ 0930. Vous ordre, sergent. Thank you.
Plutôt fatigués, mais fiers, comme s'ils avaient compris l'importance de la tâche qu'ils viennent d'accomplir, les chiens atteignent la position de l'Engel Pass. Détachement de renfort du caporal Badrout, qui monte directement à l'Engel Pass, se trouve déjà en dessous de la position. Qui ne connaît pas le mot de passe est un ennemi, pris immédiatement sous le feu. Les postes d'observation qui assurent la sécurité se trouvent dans les rochers avancés de la position. Reconnu, une patrouille d'éclaireurs ennemis sur le promontoire rocheux inférieur à l'ouest de la position. L'ordre au poste est clair et net. Laissez l'ennemi s'approcher et l'anéantir par le tir individuel. Les ennemis ont reconnu la position. Le combat va commencer. Du détachement FM du sergent Matisse a atteint l'Engel Pass et peut annoncer « Le détachement Matisse atteindra le secteur prévu à environ 0930. La première fusée signifie concentration de feu. La deuxième, assaut. » L'ordre est transmis au poste. FM Matisse a réussi à passer. On descend immédiatement en rappel de corps. Le détachement arrive ainsi dans le flanc de l'ennemi.
position déployée en éventail. Les lance-mines couvrent l'Engelpark d'un feu serré. Cherche à faire une brèche dans la position en forçant le couloir. Mais le terrain est l'ami du défenseur, qui le connaît comme sa poche. La grande corniche devient un moyen de combat. Il y place déjà des charges explosives. Thank you.
doit se retirer. Le terrain et ses défenseurs sont les plus forts. Ne l'oublions pas, un terrain n'obtient sa véritable valeur que par l'esprit d'initiative de son défenseur. Plus un soldat s'accroche avec décision et opiniâtreté à son emplacement, plus les avantages du terrain sont mis en valeur. Tout dépend du courage et de la décision de chaque combattant. Combat.